Et salut tout le monde, c'est Redkill. Vous me reconnaissez pas ? Moi non plus. Ça fait des années que je suis perdu sur cette île. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Car oui, nous sommes sur le meilleur jeu de survie de Roblox. Aujourd'hui, on va tenter évidemment d'y survivre, mais surtout de découvrir les plus grands secrets de ce monde-là. Alors commençons avec la base de survie. On va prendre ce petit silex qui est juste là, afin de, pourquoi pas, sûrement, ramasser un peu de bois. C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la survie. La guerre, c'est pas pour maintenant. Mais je sais qu'il y a d'autres joueurs qui vont vouloir se battre, alors... Je vois qu'il y en a qui ont déjà construit des châteaux là-bas. Oh, ça craint ça. Bon, avec le bois que je viens d'avoir, j'ai déjà la possibilité de me débloquer mon premier marteau, les amis, qui va me permettre sûrement d'aller peut-être un petit peu plus rapide. Alors, attendez, faut que je l'équipe d'abord. Là, équipé, très bien, je vais le mettre en deux. Ce jeu a l'air trop bien fait. Alors là, j'imagine que... Ah non, le marteau, c'est pour construire une table de craft. Pourquoi je peux pas la mettre là? Je peux la mettre où? Je peux la mettre où? Ah non, d'abord ça me propose que je construise un radeau, les amis, qui va me permettre de partir de l'île de spawn. Donc à mon avis on peut pas construire ici, donc c'est parti, on y va. Oh, c'est trop bien fait! C'est parti, on part à l'aventure! Je sais pas si je suis censé être content de partir à l'aventure vu tout ce qui nous attend. Oh, un ennemi! Ah, c'est un chevalier apparemment! Oh là là, il doit avoir tellement d'armes lui! Ah, attends, 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 il me veut quoi? Ils sont deux? Ah, il veut que je le rejoigne? Non, c'est pas vrai. Que je le rejoigne dans ce château. Attends mon pote, j'aimerais bien juste construire deux trois trucs d'abord. Je vais construire ma table de craft là. Oh, un bateau encore plus grand. Oh, salut chevalier, ça va? Alors attendez, je vais prendre de cet arbre là, il me paraît pas mal. Il est gigantesque. Ah, apparemment il veut faire un screen. Non mais attends, tu veux faire un screen avec Redkill le youtubeur? Je suis plus Redkill le youtubeur, ça se voit pas. Hé, hey, on est en train de m'attaquer. Comme des fous. Et on fera un screen, pas de problème. Oh, c'est un malade ce type, il est complètement équipé. Ok, pas de problème, je reviendrai encore plus fort. Ah mais regardez, qu'est-ce qu'il y a juste là? Déjà une table de craft qui va nous permettre directement de créer des choses. Oh, je peux me faire de l'équipement mais je ne peux pas encore. Par contre j'ai des feuilles, ah ça va pas servir à grand chose ça. Et les poules, salut les poules. Oh, j'ai besoin de manger, viens là. Hop là! Bon bah écoutez les amis, c'est parti donc pour nous développer un petit village, pourquoi pas. Salut. Ok, il y a un gars qui est juste derrière moi qui me regarde. Oh, hi, salut mec, t'es un soldat? Ah ouais, c'est un soldat. Et moi je suis rien là pour l'instant, je suis un simple survivant. Mais les mecs sont trop stylés, ils ont trop avancé sur le jeu. Moi je ne suis que là à ramasser du bois comme dans Minecraft. C'est incroyable ça. Et il pleut en plus. Mais il y a tout qui va mal aujourd'hui. Ah, ah, je vais me sortir de là, promis. Mais j'en ai marre, tout me tombe. Ah, bah le soldat a disparu apparemment. On peut prendre l'épée ou pas? Ah ouais, ça va peut-être me permettre de manger. Par contre, il faudrait peut-être se mettre à l'abri ou quelque chose. Il y a un coffre là. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah, ça c'est à moi ça. Hop là. Donc voyons voir. Ah bah ça y est, il pleut plus. On va voir ce qu'on peut construire maintenant. Oh, il me manque un petit bout de filet pour... Oh, bah d'accord. Une corde qui va me permettre de créer cette batte là. Donc la corde que j'ai créée grâce aux feuilles. Comme quoi, elles ont pas servi à rien. Alors ensuite, on pourra faire un bol pour manger, j'imagine. Alors attendez, je vais le faire maintenant, j'ai assez de bois pour le faire. Et on pourrait même faire de la paille pour l'instant, mais j'ai pas assez de feuilles. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est des malades! Laisse-moi tranquille, je m'en vais! Ah, j'ai pas mon bateau. Ah, oh, j'ai pas mon bateau. Il est où mon bateau? C'est la crise, il veut m'attaquer! C'est un malade ce titre. Oh, ce truc en Robex. Attends, mais ça... Allez, c'est bon, je pars à la nage. C'est un truc de malade, ils veulent pas me laisser tranquille ces types. Et voilà que je suis obligé de mouiller ma barbe, quoi. C'est incroyable ça. Il a posé un bateau. Ah non, il est en train de tout prendre. Il a même pris la table de craft. Mais lui, il en a rien à faire. Attends, est-ce que je peux prendre... Non, pas ça. Est-ce que je peux prendre de cette pierre? Non. On pourra pas faire des outils en pierre pour l'instant. Bon, allez, on va aller explorer tranquillement. Oh, on va pouvoir avoir des minerais. Fragments de charbon. Alors, attendez, parce que... Oh, c'est du fer, ça? Je vais peut-être pas casser ça au silex, hein. Oh, du cuivre. Ah ouais, ça va être trop long. Il faut qu'on construise d'autres choses, les amis. Alors, attendez, changer de bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a les bateaux. Ici, on a les structures. On a les... Oh, des trucs préfabriqués. On va pouvoir faire notre première cabane et tout. C'est trop classe. Et on va pouvoir faire nos propres trucs. Bon, très bien. On va faire une table de craft pour commencer. Ça sera le mieux. Donc, allez, on va péter cet arbre-là. Pour péter directement les arbustes, je pense que ça peut être pas mal pour obtenir directement des feuilles. Et surtout des baies. Ça, c'est pour manger. Parce que ma barre de faim en haut à droite, elle descend petit à petit. Hein, plus je bouge. Alors, le mieux, c'est de rester immobile. Tu restes comme ça, normalement, elle descendra pas. Ah, si, elle est descendue quand même. On n'a pas le temps. Il faut aller se faire un petit abri à manger. Attendez. C'est quoi là-bas? Ah, il y a des cerfs. Un ennemi! Bonjour, c'est un paysan! Oh, attendez, c'est un joueur ou pas? Il a sorti quoi? Attendez, moi j'ai ma batte, faudrait que je prenne ma batte. Elle est où ma batte? Elle est juste là. Tac, équipée, je vais la mettre
en 3 directement équipés. 3. Attendez, pourquoi je viens de prendre des dégâts là? Qui c'est qui m'a tapé? C'est les sangliers. Mais c'est quoi ce jeu? Laissez-moi tranquille. Yeah. Oh, je vais vous avoir. Bam, 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 bam. Ah, hop là. Ça, ça fait un maximum de bouffe pour moi. On est bien. Bon, par contre, on va aller s'attaquer à l'autre joueur. Oh, il a fait une cabane et tout, on va lui prendre sa cabane. Attendez, c'est des toilettes ou quoi? Ah, c'est des toilettes, c'est vrai en plus. Mais non. Ah ouais, j'ai pas mangé. J'ai pas fait de cabane pour dormir, mais je suis déjà sur des toilettes. Ça, c'est pas mal, hein. Oh, ah, il est là. Oh, est-ce que je peux utiliser sa table de craft ou... Ça va peut-être pas... Oh, on m'a invité. On m'a invité apparemment à rejoindre le Great Kingdom. Attendez, je vais rejoindre. Je suppose que c'est. Hein. J'imagine que c'est bien. Hein. Ah, du coup, j'ai un boost de caca qui me donne plus 10% de vitesse parce que j'ai fait caca et du coup, je me sens un peu plus léger. Salut, toi! Tu fais pas partie des Great Kingdom! Tu fais pas partie de mon clan! Viens là! J'arrive pas à l'avoir! Ah, ah, c'est parti! Hop là! Hop là! Ah! 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 Arrête de sauter! Boum! On l'a eu! Oh, on a récupéré un squelette! On a récupéré son crâne! Donc, du coup, maintenant, j'ai un équipement vert qui correspond à celui de mon clan, je suppose. Et on va aller s'attaquer à ce paysan-là pendant qu'il bouge pas. Bam, bam, bam! Oh, il a bougé! Oh, viens là! Il a plus de vie que moi, c'est bon. Là, je l'enlève, je vais lui prendre sa base. Je vais lui prendre sa base. Je veux ses toilettes! Merci pour... Allez, encore un coup! Merci pour tes toilettes! Yes! On a récupéré pas mal de choses en plus, c'est nickel! Ah, par contre, je sais pas si c'est son pote, mais... Quelqu'un arrive, là! Tu veux vraiment te battre, toi? Tu veux te battre? C'est ça? Viens là! Je vais te défoncer avec ma massue! Pom, pom, pom! Bon, par contre, à un moment, il faut que j'aille manger, moi. Je vais commencer à avoir faim! Alors arrêtez de m'embêter! T'as qu'à repartir sur ton bateau, t'as raison. Boum. Encore une victoire. Bon, je suis en train de marquer mon territoire, clairement, là. Oh, quelqu'un est en train de faire une structure là-bas de ouf. Oh, c'est bon. Maintenant qu'on est là, on va pouvoir donc sûrement faire à manger. Hop là. Oh, non, je peux fabriquer des briques. Ok, ça, ça peut servir. Mais sauf qu'il me faut de la pierre et des barres de cuivre pour tout à l'heure. Très bien, je sais pas à quoi ça va servir. On verra ça. Table de création. Oh, petite armure en cuir. Je pense que c'est pas mal pour commencer ça. Allez hop, on débloque ça. Pantalon en cuir, mais il va me falloir de la corde. Alors attendez, de la corde, je peux en créer. Je vais en créer un maximum. Comme ça, je vais donc pouvoir passer au pantalon en cuir. Aussi au casque en cuir. Oh, on est tellement bien. Vivement que je mette ça sur ma grosse tête là. Alors attendez, équipement, tuc. Hop, on met tout. Hein. Moi, je mets tout. Hein. Équipé. Et il va me manquer juste un sac à dos. Oh, yes. Les amis, j'ai l'impression d'avoir pris du grade. Wow, je suis tellement puissant, ce jeu est trop stylé, on va pouvoir faire tellement de trucs. Et du coup, on peut aller faire un petit tour dans la boutique pour, pourquoi pas, obtenir des petits boosts, des dégâts de l'outil. Donc ça, c'est quand je vais casser les minerais et tout, je vais y aller deux fois plus vite, donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a le foie de ressources. Oh, ça peut être bien ça, là, comme ça, c'est pas mal, hein. Franchement, on se met bien. Je le prends et on va pouvoir commencer l'aventure très sérieusement. Et après, je pourrais faire la fin, mais pour l'instant, la fin, on la laisse comme ça. Je vais me débrouiller sans ça. Alors, fabriquer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant? Oh, une nouvelle épée. Ah ouais, ça peut être un bel objectif de faire une nouvelle épée, sauf qu'il va me falloir un petit peu de cuir, je suppose. Donc il y a des animaux là-bas, on va aller voir si éventuellement ils peuvent me donner un peu de cuir. Toujours, pourquoi je veux toujours poser un bateau, moi? C'est quoi ce délire? Attendez, décoration. Oh, je peux faire une chaise. Allez hop, petite chaise. Trop classe. Hop là. Bon, c'est peut-être pas là que j'aurais fait mon corps, hein, bon. Allez go, donc exterminer ces petits noobs. C'est parti, les cerfs. Bam! Ah ouais, ça me donne du cuir et de la viande, donc ça c'est une très très bonne nouvelle les amis pour la suite. C'est de très bon augure. Et c'est quoi ce mur là? Qui c'est qui a fabriqué un mur là avec un poste tout là-haut là? C'est pas mal en tout cas. Je peux pas aller prendre ces structures? Ça se trouve je peux hein. Ça se trouve avec ma pierre là je peux... Ah ouais, je peux prendre son bois mais ça coûte trop... Enfin ça va mettre trop de temps. Il faut que je me fasse des nouveaux outils là, ça va pas. On peut pas sprinter dans ce jeu? On peut pas. Alors, je vais aller voir ma team. Ah ça c'est tous mes potes. Je suis un paysan dans ma team. Lui c'est le roi. Là il y a un... Là il y a le soldat, là il y a l'agriculteur et là il y a les paysans. Très bien. Troll, viking. Ah ouais, c'est les autres clans. Ouais, moi j'ai le meilleur clan. Hein. On est les plus nombreux, mais on est les plus nuls, non, je sais pas. J'en sais rien. Allez go. Du coup, je voulais faire un truc. Ah, il pleut. Quel dommage. Bon, on va faire des cordes en attendant. Tac, on a toujours besoin de cordes. Et alors, je sais pas comment on va faire de nouveaux outils, mais il nous faut. Bon, ok, il nous faut absolument des pierres. Donc, on va aller chercher des pierres en priorité. Et si en plus on peut se mettre à l'abri, ça peut être bien. Où est-ce qu'il peut y avoir des pierres? Oh, je suppose qu'on peut pas taper là-dedans, là. Ah non, ça on peut pas. Il faut trouver des minerais, hein. Oh, il y a des nouveaux sangliers. Je vais éviter d'aller me taper contre eux. Je vais prendre des champignons. Je pense que ça peut être bien pour faire une petite soupe. Je vais attendre qu'il arrête de pleuvoir, par contre. J'ai pas envie de me mouiller le crâne. Oh, et ça, c'est quoi? C'est mes... c'est mes niveaux de métier, en fait. Oh, trop bien, ça. Ça y est, pleut plus. Nickel. Bon, où est-ce que je peux trouver de la pierre?
Pour l'instant, j'en ai absolument pas trouvé, ça craint ça. Ah, c'est peut-être ces pierres-là, là. Oh, nickel, c'est exactement ce qu'il fallait. Alors, je peux... Ah ouais. C'est parti. On va confectionner de nouveaux outils. Alors, j'espère que avec tous ces coups que je lui ai mis, je vais récolter un maximum de pierres. Ouais, ça fait pas mal, 20. 20 pierres, les amis. Ça pourrait nous mettre tellement bien. Il y a même une pierre sur la petite île au milieu, là-bas. Ça a l'air tellement vaste. Oh, c'est quoi cette entre-là avec les deux statues? Mais c'est trop stylé. Bon, il y en a un qui manque une tête, mais c'est trop classe. Moi aussi, je vais aller là-bas. Donc allez, retour à ma petite base, toujours avec les toilettes. On va aller d'ailleurs faire nos besoins, histoire d'avoir plus 10% de vitesse. Et évidemment, avec le caca qui n'est plus en moi. Ah, effectivement, oui, oui. Poignée d'outils. On fait ça, et ça va permettre, d'accord, de débloquer la pioche. Ensuite, la torche qui pourra éclairer quand il fera nuit. Sauf que là, pour le coup, il nous faut des pierres ciselées, d'accord. Ok, on va faire un maximum de pierres ciselées. Voilà, voilà. Maintenant, j'ai la possibilité de faire une pioche en pierre et une hache en pierre. On va refaire une autre poignée, nickel. Et comme ça, on a une petite pelle. Et maintenant, il faudrait faire une torche. Alors, pour faire une torche, il me faudrait... Oh, ben oui, c'est du charbon qu'il me faut. Bon, ben, très bien. En attendant, je vais donc équiper tout ce que j'ai. Tac. Bon, on va pouvoir virer mon silex, je pense, hein. Lui, on peut le déséquiper. Voilà, je pense que c'est pas le plus utile. Et là, les amis, on est extrêmement bien et on va pouvoir se lancer dans l'aventure. Alors, mon marteau, je crois que c'est pour construire. Donc, au pire, lui, je le mets sur le 5 pour l'instant. Ça sera très bien. Par contre, il pleut tout le temps ici. Donc allez, on va retourner là où j'avais trouvé des minerais tout à l'heure, les amis. Je pense que c'est un très bon spot pour pouvoir se mettre bien. Par contre, il va falloir que je mange d'ici peu. Alors, ça, il me faut la pioche. Voilà, la pioche, elle est là. On va donc prendre... On va directement aller prendre le cuivre d'abord. Attends qu'il pleut pas. Hop, à l'intérieur, en tout cas. Fragment de cuivre. Ah, je pense qu'on est bien, les amis, hein. On s'est mis plutôt bien depuis le début, hein. Franchement, on se débrouille. Alors, hop, j'ai eu 6 cuivres, hein. Ah, c'est pas exceptionnel, hein. Par contre, regardez, j'ai l'impression de taper plus vite, là. J'ai gagné un niveau d'extraction. Je sais pas ce que ça va me permettre de faire. Mais hop, là, on est même niveau 3 maintenant. Ce qui m'a permis... Regardez, extraction. Niveau 3, ça me permet d'avoir plus de puissance, plus de vitesse. Effectivement, ça m'est bien. Donc allez, on prend le charbon et on va pouvoir terminer les outils essentiels, les amis. J'ai eu 6 charbons seulement. Ah, il n'y en a pas là-haut, là? Non, il n'y en a pas. En fait, il faut trouver des petites grottes comme ça, là, pour avoir du charbon. Sinon, on n'aura rien. Je pense pas qu'il y en ait comme ça. Alors attendez, tant que je suis là, je vais aller chercher de la pierre. Et même du bois, hein, tant qu'à faire. Comme ça, on se met bien. Voilà, mon inventaire. Ah, on peut... Par contre, on a un inventaire limité, hein. Donc la pierre, c'est toujours la pioche, évidemment. Et on va prendre la hache pour aller faire le bois, j'imagine. C'est parti. Ces deux petits sapins sont à moi. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Et celui-là, c'est un chêne. Nickel. Donc allez les amis, je termine de créer tout ce que je peux créer ici. On va se faire à manger et surtout après on va partir aller en exploration. J'ai la torche, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le couteau en pierre. En fait c'est pas un couteau, hein, c'est carrément une épée mon pote. Alors attendez, je vais faire un paquet de paille pour voir ce que ça va débloquer. La canne, ah c'est ça qu'il me faut. C'est la canne, du coup il me faut une corde pour avoir une canne. Ensuite on va refaire de la corde pour refaire une canne. Comme ça j'en ai deux et on peut donc faire l'épée les amis. C'est bon, j'ai l'épée. Et je vais directement remplacer ma massue par mon épée, je pense qu'elle est meilleure. Puisque ma massue fait 15 de dégâts et mon épée en fait 20, donc évidemment, on équipe. Hop là, on le met sur le 1 et on est tellement bien. Oui, apparemment, on pourra se faire un arc tout à l'heure, mais je vais pas le faire maintenant, on va pas s'en servir. Et oh, cible d'entraînement, torche polaire, on a encore plein de trucs à faire. Bon, très bien, allez, on s'occupe de faire à manger, histoire de bien manger avant de partir explorer. Mais je sais pas comment faire cuire ce que j'ai à manger, alors je crois que je vais manger cru, les amis, hein. Attendez, manger. Ouh, ça m'a donné des dégâts. Ça me fait des dégâts. Attends, je vais manger les champignons, voir si ça me fait des dégâts. Ah, voilà, les champignons, ça fait pas de dégâts. Bon, par contre, ma barre de faim, elle est pas remontée, hein. Ah, voilà, ok, il fallait que je fasse une table de fabrication que je viens de mettre là pour faire mon premier feu de camp et cuisiner. Ah, ok, très bien. Donc, avec des feuilles et de la viande, on peut évidemment faire énormément de choses. Hop là, et dès que j'en aurai 3, je pourrais même en faire une encore plus grosse qui donne 250. Donc ça vaut le coup, on peut même faire un bol de soupe. D'accord, mais c'est ça qu'il faut manger. C'est bien meilleur que la viande crue, les amis, hein. Allez, donc du coup, on va en faire un maximum, histoire de bien manger. Et c'est bon, je crois que j'en ai plus. Ah si, il m'en reste. Hop là, je sais pas combien il m'en reste, hein. Mais je vais en faire un max, hein. Ah, c'est bon, j'en ai plus. On fait des grosses et on est bien. Les amis, ça y est. On peut enfin partir à l'aventure. Bon, d'abord, je vais manger tranquillement. Cette fois-ci, ça me fait pas perdre de vie, donc c'est nickel. Donc là, c'est bon, j'ai récupéré la plupart de ce qu'il me fallait. Je détruis tout, si possible, comme ça, je récupère. Vu qu'on va bouger, les amis, on va déménager. Ça serait bien que je rejoigne mon clan, je sais pas où ils habitent. Mais on va essayer de trouver de toute façon. Ah, je peux pas enlever ce que je n'ai pas fabriqué. Bon, bah écoutez, c'est parti. L'aventure commence. Oh, oh, oh. Regardez, il y a des gens ici.
Il y a des gens, ils sont deux. Attendez, je vais essayer de m'attaquer. À l'autre, ils sont en train de faire un château de fou. Ils doivent être tellement avancés dans le jeu. Comment je vais faire? C'est ma team en fait. Ouais, c'est ma team. Salut les gars, je fais partie de votre équipe. Je suis un vermin, non, je suis partie de ton équipe, me tue pas. Non, mais t'es débile. Je fais partie de ton équipe, c'est incroyable ça. Bon, heureusement que j'ai pas tout perdu. Alors attendez, il y a des gens qui sont en train de construire un truc là-bas. On va aller les voir. Mais je comprends pas pourquoi un mec de mon équipe m'a tué. Hein. Donc allons explorer cette partie-là. Oh, ils ont fait une belle cabane. Hein. Ça serait bien que je la prenne. Alors attendez, je vais me poser là. J'espère que je suis discret. Hein. Oh, ils sont bien équipés quand même. Hein. Ils sont bien équipés. Hein. Est-ce que je peux monter chez eux? Ah, je peux pas monter chez eux. Ah, j'y arrive pas. Au pire, je peux passer par l'entrée. Hein. Là, il y a une entrée. Là. Oh, je crois qu'on m'a vu. Je crois qu'on m'a capté. Oh, ça aurait été trop bien d'avoir un arc. Ils sont trois. Ah, ça va être compliqué pour moi, je pense, de me battre. Je peux tenter, mais ça va être chaud. De toute façon, je peux même pas rentrer chez eux, alors bon. Bon, bah allez, je m'en vais, du coup. On va aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est ici que j'avais vu une grande structure au tout début, mais la structure a disparu pour l'instant. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelqu'un a tout fait péter ou quoi? Ah, attendez, je vais aller prendre de la poule un petit peu, là. Salut, mon pote, ça va? Hop là, je viens pas t'attaquer, promis. Je viens juste récupérer un peu de poulet. Hop là, parfait. Oh, y a quelqu'un qui se cache, là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mec? Ah, par contre, je fais pas beaucoup de dégâts avec ça. Ah, il faudrait mon épée, j'ai plus mon épée du coup. Ah, il s'en va. De toute façon, j'aurais mon épée, j'aurais pu le tuer, mais là, ça va être trop compliqué, ça sert à rien. Allez hop, on va essayer de refaire un petit clan. Oh, je pourrais monter là-haut. Bon, c'est bon, j'ai pu me refaire pas mal d'équipements. Maintenant, on va se faire un sac en cuir qui me permettra sûrement d'obtenir plus d'objets. Voilà, c'est bon. Je crois que je suis plein. Je l'ai lâché. Oups. Je l'ai lâché. Je l'ai perdu du coup. Ah non, c'est bon, il est tombé là. Vite avant qu'il disparaisse. Voilà, parfait. Donc je l'équipe et donc ça va me rajouter 50 d'espace et on est re-bien dans l'aventure. Ah, il pleut. Enlevez-moi cette satanée pluie, c'est pas possible. Bon, j'ai vu qu'il y avait une épave là-bas. Oh, mais il y a quelqu'un qui y va. Doit y avoir quelque chose d'intéressant. Oh non, mince, j'aurais dû mettre mon bateau. Attendez, je peux le mettre encore. Hop là, voilà, il est là. On va le mettre dans le bon sens et je vais vite y aller. Je pense qu'il y a des choses dans les épaves, donc il faut aller récupérer tout ce qu'il y a. On y va, il y a déjà quelqu'un sur le coup. Hein. J'espère qu'il est pas trop bien équipé. Ah, il est là-bas, je le vois. Il est en train de récupérer des trucs, je crois. Ah, ou alors il récupère directement le bois. À mon avis, tu peux récupérer le bois du bateau. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Je vais l'éliminer. Et... Pa-pa-pa. Oh, j'aurais dû recharger ma vie. J'ai plus beaucoup de vie, moi. Faut pas qu'il se retourne. Allez, viens là. Boum, boum. Voilà, j'ai récupéré son squelette. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dessus, là? Oh, regardez, il y a plein d'outils. Il y a des coffres et tout. Ouais, il y a même des minerais. Attendez, c'est des minerais de fer. Pour pouvoir faire des outils en fer. Oh, trop bien. Alors du coup, je vais essayer de récupérer ça. Attendez, il y a un coffre. Ah, il n'y a rien dans le coffre. Dommage. Il y a quoi d'autre? Il y a plusieurs coffres. Hein. Là, il n'y a rien dans ce coffre. Oh, quelqu'un a déjà tout pris, peut-être? Non, quel dommage. Bon, allez. Je vais au moins récupérer le fer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir se faire des outils en fer. Pour l'instant, il n'y a personne autour. C'est nickel. Alors, j'espère en avoir suffisamment pour me créer directement des outils en fer. J'espère. Attention, combien? J'ai mis 6. Ah, je sais pas si c'est bien ça. Hein. En tout cas, les outils en fer ne sont pas disponibles sur ma table de craft. Donc, à mon avis, il va falloir que je fabrique une autre table de craft. Voilà, on va se faire un arc tant qu'à faire. Voilà, comme ça, on a tout débloqué ici. Bon, il va falloir faire des flèches. Mais malheureusement, je sais pas si je vais avoir assez. Attendez. Hop là. Ah, non. Tu aurais pas. Bon, alors, je peux faire plus de cordes peut-être. Je peux faire combien de cordes? Oh, mais je peux en faire 20 cordes. Voilà, c'est ça que je veux. Parfait. Donc là, du coup, on va pouvoir en faire combien? J'ai combien de bois? Là, c'est trop. Je peux en faire 9 comme ça. C'est nickel. Et du coup, on peut faire donc un maximum de flèches. Alors, je peux en faire combien je peux? Ah, il me faut plus de trucs en bois. Hop, je peux en faire 20 de plus. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça, on est bien. Alors là, je vais l'équiper directement à la place du marteau. Je pense que ça peut être nickel. Et là, les amis, on est bien. Oh, trop stylé. J'ai 20 flèches. Hein. Ça peut être pas mal. Donc, du coup, pour ce que je disais, à mon avis, il va falloir débloquer autre chose. Comme des lits d'abord. Ok, il me faut du bois et ensuite on pourra, pourquoi pas, débloquer des trucs pour fabriquer les outils en fer. Bon là, l'idéal, ça serait d'aller piller une base. Alors attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe là? Je pourrais le frapper. En tout cas, c'est le moment pour nous de grailler un petit peu. Hop là, non, pas équipé, je voulais le manger. Voilà, est-ce qu'on mangerait pas un peu de soupe aux champignons? Un peu manger, nickel. Alors on est bien, c'est bon, ma vie remonte un petit peu. Ça serait trop bien de trouver une base et de tenter de tout dérober ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, on l'a dit, il me fallait du bois. Alors, je fais une petite escale juste là, tac, avec ma hache. Voilà, en trois coups, c'est terminé, ce petit truc de noble. Il y a des minerais rouges, là, juste là-dessus, là. Mais je sais pas comment on y monte, hein. Je peux pas y monter, moi. Comment on va pouvoir voler dans ce jeu, quoi? Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vais monter.
Je vais laisser mon bateau, tant pis. Mais oui, il y a vraiment des minerais rouges bizarres. Je sais pas à quoi ils vont servir. Ah, mais là, il y en a en cuivre en tout cas. Donc c'est parfait, on va reprendre un petit peu. Hop là, ah oui, c'est vrai que je mettais longtemps à les casser. Donc là, je vais arriver au niveau des deux statues qu'on voyait. On a une belle vue sur le monde. Par contre, j'ai toujours pas rejoint mes coéquipiers. Mais en même temps, ils me tuent mes coéquipiers. Oh, les amis, je pourrais tenter une attaque. Je sais pas s'il y a des dégâts de chute, donc j'ai pas envie de sauter sur son bateau. Mais on pourrait aller attaquer le bleu là. Oh. Vas-y, je vais y aller. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. C'est parti! Oui, c'est bon! Je suis dans l'eau. Allez, go. On y va discrètement. J'espère qu'il m'a pas vu. J'espère qu'il m'a vu. Salut! Pam, 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 pam! Ah bah, elle aura même pas bougé. Hey, hey! Il y a des éléphants dans le désert là-bas! Mais attendez, c'est quoi ce délire? Je vais éviter de m'y confronter. Mais en tout cas, moi, les amis, je vais aller établir ma. Ah, il y a des vers là-bas! Je vais essayer de les rejoindre, j'espère qu'ils vont pas être contre moi. Dans tous les cas, je vais pouvoir commencer à me créer ma vraie base. Et comme ça, on va pouvoir commencer à avoir des trucs sympas et se défendre et fabriquer un maximum de choses. Mais d'abord, je vais juste voir si les deux vers là-bas, ils veulent de moi. Ah, mais il reste plus beaucoup de monde dans mon équipe. Alors, est-ce que c'est parmi ces trois-là, enfin, sans moi, trois-là, est-ce qu'ils font partie de la même équipe que moi? Ah non, ils ont un ver plus pétant. Hein. À mon avis, ils font partie du royaume... un royaume un peu plus vert que le mien, quoi. Ouais, non, c'est pas mes potes, ça. C'est pas mes potes, hein. Je devrais peut-être pas y aller, hein. Ah oui, c'est vraiment des éléphants. Attends, il est vraiment en train de l'attaquer. Oh, il a une massue. Ah, mais lui, il a plein de vie. Alors, attendez, il faudrait que je mange. J'ai plus rien à manger, je crois. Poulet cuit, hop là, je vais manger. J'espère que ça va le faire. Manger, voilà, comme ça. Je vais essayer de récupérer toute ma vie. Comme ça, si au pire, il veut se battre, oh, je suis chaud. Hein. Bon, j'ai pas toute ma vie, mais bon, on peut le tenter quand même. Hein. Je sais pas s'il a beaucoup de vie, lui, ou pas. Allez, viens là, toi, viens là. Ah, mais ils sont deux. Oh, attendez, y a une... les amis, il y a une caverne là-bas. Oh, mais attendez, moi, je vais plutôt aller dans la caverne. Attendez, je vais juste voir. Oh, oh. Non, oh, et en plus, il est rapide, lui. Il est super rapide, le bleu! Ils sont tous contre moi! Ah, ils volent! C'est quoi ce délire? Comment il fait pour voler? Oh, vite, pour rusher! Je m'en vais! Ok, j'ai compris! Pourquoi? Oh, ça y est, ils sont en train de se battre entre eux. Ok, parfait, je vais les laisser se battre. Le bleu les a tous allumés. Non, il va venir vers moi! Comment je vais faire? Alors, je peux aller me cacher là-dedans, mais on dirait qu'il y a un piège. Il y a quelqu'un qui a mis des feux de camp dans le tombeau, là. Hop là. J'espère que c'est pas un piège, ça. Hop là! C'est bon, je suis passé dessus. Oh! What? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Mais c'est trop classe! Attendez, je vais aller explorer tranquillement. On va aller voir de ce côté-là. Ah. Au moins, je suis à l'abri là. Je pense pas que quelqu'un va me trouver ici. Hein. Est-ce que vous pensez que je peux construire des choses ici? Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de secret, ou alors les secrets ont été découverts. J'espère que personne m'a vu rentrer. Non, c'est bon, il n'y a personne dehors. Nickel. Il n'y a pas l'air d'y avoir de secret ou quoi que ce soit. Peut-être son nez, non? Même pas son nez. Après, au lieu d'aller à droite, je peux tenter d'aller à gauche. Oh! Attendez, une base a été établie ici, les amis. Oh! Il y a vraiment des gens qui habitent là? Attendez. Hop là. Salut. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Oh! Il y a du cuivre en tout cas. Ça met bien. Tac, on va aller récupérer ça tranquillement. Je me mets bien, moi, personnellement. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, les amis, j'ai. J'ai vu un message comme quoi, vu que j'étais créateur sur Roblox, je pouvais taper une commande et ça... Mais ça... Attends, vraiment? Ça m'a... Attendez, faut que je vérifie. Ça m'a donné les meilleures armures du jeu. Celle-là donne 12. C'est quoi ce délire? C'est un sac. Un sac qui me permet d'avoir 9... What? Attendez. Armure d'admin, plus 100 de défense, casque d'admin... Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je vais être tellement fort! Mais je... Je suis full stuff d'admin. Elle où l'épée, la meilleure épée, c'est quoi? L'épée en acier équipée, mais attendez, je comprends pas là. Je vais l'enlever. J'ai une épée de fou malade. Après, les outils, c'est quoi? Ah, j'ai des pioches en bronze. Mais non, épée de bronze, d'accord, celle-là, j'aime pas. Pioche de fer, ça, je veux bien. Ah ben non, vaut mieux avoir une pioche en acier, mais attendez. Alors là, je vais ressortir de ma cabane. Oh, et je vais allumer tout le monde. Mais j'ai surtout une arbalète maintenant. Alors ça, c'est stylé. Hop là, je vais mettre ça en 3. Et en 4, qu'est-ce que je pourrais mettre? Mais je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. What? Mais là, c'est n'importe quoi. Ok, je vais sortir d'ici. Et je vais aller m'occuper des types qui traînent autour. Oh, il y a quelqu'un là. Viens là, il a eu peur direct. Bam. Oh, wow. Ça fait tellement de dégâts. Les amis, j'ai l'impression d'être entré dans la salle du temps et d'être sorti encore plus fort. Je vais pouvoir aller m'occuper de tout le monde. Mais attendez, d'abord, faudrait que je mange. Ils m'ont donné à manger ou pas? Oh là, 9, mais c'est quoi ce délire? Oh, mais non, mais moi, je m'attendais pas à ça. J'aurais voulu survivre plus longtemps. Voilà, ça m'a bien aidé. Hein. Autant vous dire que j'ai sauté quelques petites étapes. Hein. Oh. Mais alors, attendez, je vais aller m'attaquer à eux, là? Mais c'est juste complètement fou. Alors, est-ce qu'ils sont là?
Est-ce qu'ils sont là? Ils vont rien comprendre. Il y a des gens ou pas? Absolument pas. Ah, il y a quelqu'un qui est dans l'eau là-bas. Je crois qu'ils sont partis de leur base. Hein. Est-ce que je peux m'attaquer à leur base déjà? Ah ouais, bien sûr que ouais. Je vais tout casser. Ah, si les amis, regardez, il y a quelqu'un, il est juste là. Attendez, je termine la palissade. Et il va rien comprendre. Il va rien comprendre. Il va falloir qu'il... Ah, il y avait quelqu'un juste derrière la porte. Boum. Je l'ai eu. Viens là, toi. Viens là. Viens là. Yeah. Mais c'est un délire, ce jeu. Comment ça se fait qu'ils m'ont donné tout ça? C'est un truc de fou. Ah, j'avais pas besoin de tout ça. Bon, bah voilà, je peux prendre leur base maintenant. Hein. Attendez, parce que maintenant, ça veut dire que si je veux construire quelque chose... alors attendez, faut que j'aille changer de bâtiment, préfabriquer, structure. Là, j'ai la possibilité de faire ce que je veux. Alors, je peux faire des poteaux. Tac, tac, voilà, des poteaux de Koh-Lanta. Et ouais, faut mieux que tu partes, toi, là-bas. Non, tu veux vraiment revenir te battre? Tu veux vraiment... C'est lui qui volait tout à l'heure. Ah, c'est lui qui m'a attaqué, là. C'est lui qui m'a attaqué, là-bas. Je vais venir te voir, moi, viens là. Yeah. C'est bon, je vais essayer de passer par-dessus. Parfait. Mais il va hyper vite, lui, par contre. Il vole vraiment, hein. Il triche, hein, c'est pas possible. Bon, il sait comment voler, mais il sait pas comment avoir des belles armes, hein, parce qu'il est vraiment nul. Et coucou, j'arrive. Oh, ta, 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 ta. Oh. Je vais sortir là-haut, l'arbalète. Hop là. C'est dur à viser. Il bouge trop vite, il bouge trop vite, il bouge trop vite. Ok, ok, ok. Je vais terminer à l'arbre. Oh. Mais comment il... C'est quoi, lui aussi, il triche, c'est pas possible. Comment il fait pour faire autant de trucs? Je comprends rien ce qui se passe. Oh, la carte était trop stylée. Hop, viens là, viens là. Plus qu'un coup. Je crois que c'est lui qui est venu m'embêter tout à l'heure. Ah, j'arrive pas à le terminer. Bon, je vais essayer de lui tirer dessus à l'arbalète, mais en fait, il fait bouger, il bug, je sais pas ce qui se passe. Allez, boum. Viens là, viens là. C'est bon, c'est réglé. Bon, allez, je prends leur base, c'est nickel. Et je vais pouvoir construire la mienne tranquillement. Ah, mais ils reviennent en plus, mais ils sont suicidés ou quoi? Ah non, il a disparu. Il est revenu, mais il a disparu. Ah si, c'est bon, il est là. Mais c'est... Mais viens pas, ça sert à rien. En plus, avec ton galet, là, tu vas rien faire, mon pote. Bon, va-t'en. Je t'ai dit, va-t'en. J'aimerais me construire une base. Au pire, rejoins ma team si tu veux, mais va-t'en de là. Merci. Oh, mais regardez, ils avaient un trône et tout. Oh ouais, je suis le trône d'un royaume vide. Let's go. Bon, par contre, ils veulent vraiment. C'est un truc fou. Mais il bug, lui, hein. Il triche, hein. Des fois il disparaît, des fois il réapparaît. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une bonne armure, donc au pire, c'est pas grave. Donc, alors ici, on a les murs en pierre. Ah, pourquoi je peux pas le construire celui-là? Pourquoi je peux pas le construire? Ah, parce que je suis en combat, d'accord. Ok, il veut pas me lâcher, lui. Il va falloir que je parte ailleurs, en fait. Hein. Et du coup, j'ai eu un bateau ou pas? Est-ce que j'ai eu un petit bateau sympa? Préfabriqué, bateau. Ah ouais, mais j'ai la possibilité de me le faire celui-là. Ah, mais je peux pas l'avoir parce qu'il a un trim combat. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Ah, mais même là, je peux pas le mettre. Ça me dit que je suis en combat alors que je l'ai tué. Voilà, c'est bon. Il est prêt. On peut partir. Ah, ouais, il est plus rapide que l'autre. Hein. Let's go. Là, on est bien. Alors, du coup, je vais pouvoir remettre. Oh, je vais pouvoir mettre plusieurs tours comme ça. Oh, trop classe. Hop là. Je vais essayer d'en mettre tout autour de ma petite île. Voilà, comme ça, et là, on est hyper sécurisé. Ah, mais non, mais j'ai la possibilité de carrément faire des tours de château. Ah non, mais on va pouvoir faire un truc de fou, là. Un truc de fou furieux. Bon, bah, du coup, je vais détruire ce que j'avais fait, hein. Voilà, petite maison de village au plein milieu de mes tours. Ah, bah, voilà, du coup, maintenant, j'ai débloqué la maison en pierre. Oh. Grande maison en bois aussi, on pourrait faire. Oh, mais c'est un truc de malade. Mais j'ai pas assez de place pour ça. Ah, quelqu'un a décidé de venir m'attaquer. Je suis pas sûr que tu veuilles m'attaquer, mon pote. Ah non, non, il veut pas, il veut pas. Moi, j'ajoute des petites tables, histoire qu'on puisse faire une petite réception ici et manger. Oh, je vais remettre une table de map comme ça, là, pour élaborer mes prochains plans. En plus, c'est exactement la map où on est, hein. On va mettre des petites toilettes dans le jardin. Voilà, parfait. Une petite baignoire. Ah, je peux les mettre dans la maison ou pas? La petite baignoire. Hop là. Ah oui, bien sûr, la petite baignoire pour moi. On est bien, là. On va mettre des petites chaises, quand même, hein. Faudrait pas que tout le monde mange debout. Hop, hop. Ah, tout le monde va manger sur ces tables. Moi, je vais manger sur mon trône qui sera... juste là, parfait. Bon, lui, par contre, si tu continues à tourner autour, je vais te tuer, mon pote. Hein. Ah ouais, mais attendez, parce qu'on peut aussi avoir le trône. Bon, celui-là qui est encore plus ouf. Hein. Alors, celui-là, on va essayer de le mettre. Oups. On va le mettre juste là, je pense. Pas mal. En face des toilettes? Non, non, c'est pas trop... C'est pas ouf, ça. Salut. Il y a du monde, là, qui est venu me rejoindre. Voilà, le trône, je vais le mettre en bas de la tour. Vous avez quoi? Oh, je l'ai raté. Vous avez quoi? Oh, ah, mais non, mais il fait partie de ma team, lui. Ah oui, il fait partie de ma team, je peux pas le tuer. Petit type d'entraînement, par contre, ça serait peut-être bien de faire en sorte qu'on ait des petits murs, non? Oh, je peux avoir des pics de barricade pour me défendre. Ça, c'est trop classe. Hop là, quelques-unes comme ça. Voilà. Là, on est bien. Ah, une prison. Je vais pouvoir préparer une prison. Alors, attendez. Y a pas un joueur là qui est là encore? Ah non, je l'aurais bien mis dans la prison, moi. Attendez, au pire, je peux aller tester de le mettre en prison. Ah, bien, y en a un qui est là. Attendez, je vais essayer de le mettre en prison. On peut être dans l'eau. On va attendre d'être sur la terre ferme.
Hop là, viens là, bouge pas. Viens mon pote, viens voir. Viens voir tonton. Hop, attends, bouge pas mon pote, bouge pas. Hop là. Raté, c'est pas vrai. Je vous mets tous en prison. J'arrive pas à le mettre en prison. Quelle tristesse. Ah c'est bon, je crois qu'il est lié là. Oh, il est dedans. Ah ouais, le pauvre. Oh, il est complètement compressé. Oh mince, ah, c'est mon pote en plus. Bon bah tant pis, tu restes là dans cette prison mon pote. Ah, et les murs de château, hop. Ah, je peux en pouvoir en mettre un là. Mais malheureusement, vu qu'ils ont déjà construit en fait, je pense que je pourrais pas en mettre tout autour vu qu'il y a les barricades. Bon bah tant pis, on va garder les barricades. Mais attendez, je pourrais en mettre plein les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah non, je peux pas, après c'est trop... Ça aurait été trop bien que je puisse le faire sur la... sur l'eau. Ah oui, c'est moyen, il y a moyen de mettre ça sur l'eau. Attends, ça peut être complètement fou ça. Ah mais je pense que ça sert à rien, ils pourront passer dessous hein. Ah là là, en tout cas qu'est-ce que ce jeu est stylé les amis. Hop là, moi je vais retourner là où j'ai commencé, sur les toilettes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis, je pense que je vais continuer mon royaume tranquillement. Pourquoi pas, si jamais vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais éviter de casser les toilettes. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bam bam.